Salut, bienvenue dans Complètement Berge. Je sens que cet épisode va être humide. Complètement Berge, saison 2, épisode 5. C'est parti. Et puis le parapluie. J'ai plié sous le parapluie. Bonjour. C'est séance photo improvisée ou c'est séance photo professionnelle? C'est professionnel. Ouais. Hein. C'est pas vraiment improvisé. C'est quoi? C'est pour vous, pour une marque de vêtements? Mon CD en fait. Pour votre CD? Mon CD, ouais. D'accord, vous êtes chanteur? Chanteur, Speedy. Speedy. Ouais, comme le garage, mais sauf que là c'est de la musique. C'est bon comme slogan ça. Voilà, c'est un peu éclectique comme musique. Il y a des vibrations africaines, des percussions, et tout ce qui est musique assistée par ordinateur en fait. Vous vivez de votre musique ou c'est un album? Bah pour l'instant ça on va dire ça paye à peine le loyer. Faut que ça paye la bouffe, mais non, et puis ça sera bon pour un début, je vous dis. Pour l'instant c'est en autoproduction, on va essayer d'en presser 1000, on voit comment ça se passe, ça ouvre des portes et puis on verra pour la suite quoi. Donc c'est vraiment un coup d'essai en fait. Et du coup on peut pas avoir une démonstration de la musique, il y a forcément l'électro, faites rien a cappella. To my African queen, I confess my Congo love. What can I do, baby girl, to let you know? Everything you do, baby boo, you rock my world. Nalingi yo, genzo lolo. Voilà. Parfait. Super. Mais il n'y a pas besoin de son électro derrière. Ça marche à cappella. Je chante en anglais, en lingala, la langue africaine, en français. Un peu en espagnol, donc on essaie un peu de faire un truc international. Voilà. Plus que le chinois et le japonais, je crois que je touche l'Asie avec ça. Lingala, c'est une langue de quel pays? Du Congo, parce que je suis originaire du Congo, en fait, Congo-Brazzaville. Donc voilà, c'est une langue qui parlait au niveau de l'Afrique centrale, exactement. Speedy, mademoiselle la photographe, continuez bien, bon courage. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation. À bientôt. CD surtout, hein. Donc vous tapez Speedy, SP2EDHY sur iTunes, et puis voilà. C'est lyonnais, consommons local, et voilà. C'est bon ça, consommer en local. C'est produit en France. Très bien. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci aussi. Bonne continuation. Au revoir. Crash, but that's past. It's a new day. Told me I'm smart to go to school. I tell you what, the s'est amélioré. Je vais pouvoir ranger mon parapluie. Laying on the lawn, daydreaming that I'm Lupe. Yup, then we move along. We bumping all the songs, cooled out, chilly, so we rolling with the heat is on. Heat is on, no, riding clean. Il est pas trop embêtant, chien. Je vois qu'il est derrière. Il est derrière, je vois. Elle a quel âge? C'est pas la mienne, je suis la gardienne. Vous êtes la gardienne? Moi je suis pas venir à chien. Oh là là! Allez, bonne journée, madame. Allez, au revoir. What the fuck the dilla did this, did that, pull the rabbit out the hat, plus he got cake and crumbs on the track. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous lisez? On se demandait ce que vous lisiez. Bah, également, je suis en stage. Je vais faire un stage à l'hôpital Édouard Rio. J'ai pas compris, c'est un stage en quoi? C'est à l'hôpital pour faire quoi? Préparateur de commande. Préparateur de commande. Je fais des antiseptiques et des gros volumes. D'accord. Donc c'est, tous les médicaments, il faut préparer. Voilà, exactement. Voilà, préparer les médicaments et... Ok, et vous devez réviser les noms des médicaments, non? Vous révisez quoi? De tout, là. Je regarde mon CV, voilà... La totalité quoi. Et ça fait longtemps que vous travaillez pas ou ça fait J'ai arrêté, ça fait 3-4 mois que j'ai arrêté. Ouais. Et pour quelle raison? Si c'est fait de contrat. Et là c'est dur après de retrouver quelque chose. Ouais, c'est pas évident. En plus je suis à l'étranger, moi je suis pas ici en France. Ah en plus, ouais. Vous êtes né à l'étranger. Ouais, ça fait 10 ans que je suis ici en France. On va pas dire la discrimination, quelque chose comme ça, mais c'est pas évident. Parce que moi j'ai un bac plus 3 en Algérie. Par contre, ici, ça n'a rien à voir, j'arrive pas à trouver le terme. Les équivalences, les diplômes, c'est voilà, pas pareil. Voilà, c'est pas les normes, ouais.
la base, voilà. Donc, genre, en Algérie, vous pourriez prétendre à bien d'autres postes, et en France, oui, facilement. Pas du tout. En France, c'est pas évident. Ouais. Je me lève le matin, à 8h du matin, je fais toutes les agences Altirib. Je demande mon intentionnaire. Qui est la base. Voilà, c'est la moindre des choses. C'est simple. C'est quoi, mon intentionnaire? C'est porter, charger, décharger. Et voilà, c'est... Ils vous disent qu'on a quelque chose, on vous appelle. Ah, mais bon... Je paye un loyer de 580 euros, plus j'ai une voiture, je paye 195 euros, plus je sais pas, la bouffe, sans compter les cigarettes, je m'en sors plus, ma paye, je ne le vois plus. La vie, elle est pas facile. La vie, elle est pas facile. Et ça serait quoi la solution alors pour vous? La solution. Il faut demander à Sarko. Travailler plus pour gagner moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah écoutez, on va vous laisser. Bah je vous remercie infiniment. Bon courage. Et bonne continuation. Et bon stage. Alors, merci beaucoup. Allez, merci. Bonne continuation. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Bienvenue dans Complètement Berge Inondée. Tu veux pas aller jeter un truc à la poubelle? Monsieur, vous êtes trompé. La piste cyclable, elle est là. Oh, qu'est-ce qu'on rigole là. Bonjour madame. Attendez, je me sauve. Mais non, restez là. Ouais. On vous voit souvent venir nourrir les... Ah ben oui, mais j'y viens tous les jours. Puis je suis aussi au Pont Lafayette en plus. Et pourquoi vous venez alors? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que j'ai pris l'habitude, ça fait deux ans que je les vois. Alors... Et comme je leur donnais tout petit, on m'a dit, mais il ne faut pas arrêter l'hiver, il n'y a pas d'herbe aquatique. Et vous le donnez quoi alors? Ah ben là, je leur prépare à l'avance. Ah, c'est quoi alors? C'est du pain. Du pain. Comment ça se fait que vous leur avez donné une première fois? Mais parce qu'ils étaient tout petits. Hein? Alors, si je les ai vus tout petits, ils étaient sur le dos de leur mère. Et, ils étaient trop marrants. Tiens. Mais quand les mouettes se précipitent, ils n'ont plus le droit à manger. Hein. Ah, c'est les mouettes qui font la loi, là. Ah oui, elles sont là, elles attendent. Vous n'avez pas pensé à ramener un chez vous? Ils seraient malheureux. Le vétérinaire a dit qu'ils étaient trop... dépendant. Ah mais il n'a encore rien eu. Oh non. Ah, ils vous reconnaissent quand même. Ils étaient sur la berge d'en face, ma famille ici. Il venait des fois en volant pour venir manger. Vous dites c'est votre famille ici? C'est ma famille ici, oui. On me disait, vous êtes la marraine des petits alors. Ah, c'est ça. Voilà, oui, elle revient. La dame, elle connaît tous les oiseaux. Elle les a vus naître. Hein. Ah oui, je trouve ça. J'ai commencé, alors maintenant, je suis un peu bloquée, là. Hein. Je suis menacée de PV parce que je nourris les pigeons, mais c'est pas vrai. Mais qui vous menace de PV? Ah ben, il y a la police. Et si vous prenez une amende, vous savez combien c'est? Vous risquez combien? Elle m'a dit 400 euros. 400 euros? Pour nourrir des cygnes? Oui. Je lui ai dit, mais qui c'est qui a dit que c'était interdit d'en manger au cygne? Alors lui, il m'a dit, oh, ben, c'est moi qui vous le dis. Alors, il m'a serré. C'est un peu de zèle. Eh ben, allez, Monique, je vous laisse. Bon, ben. À bientôt. Alors, oui, à bientôt. Merci, bonne journée. Oui, merci. Au revoir. Bon, ben, il est trop sûr. Alors, il faut avoir. Au revoir. Ah, mais vous parlez tout seul? Bonjour. 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 C'est des photos de vacances? Oui, entre autres. C'était où ces vacances? C'était l'Afrique, le Sénégal. Sénégal. On peut voir quelques photos? Bah ouais, oui. Vous êtes parti quand? L'année dernière, au mois d'avril. Ah, et vous faites développer les photos un an après? Oui, parce qu'on les rapporte. Oui, parce que j'y vais dans 8 jours. Ah, et je leur ramène les photos. On leur rapporte les photos.
C'était la première fois que vous partiez au Sénégal? Non, ça fait 30 ans que j'y vais. Tout ça, c'est des gens que je connais. Ouais, je peux vous en montrer plein comme ça. Donc, si vous avez toute l'après-midi à passer. Celle-là, elle est sympa. C'était la fête des... Des mourides. Des mourides. Et on a fait la cuisine. On a tué un bœuf. Je sais pas si 50 poulets. Il est passé à la casserole. Ah, là, il est encore vivant. Ça, c'est Marie. C'est une femme qui a 6 enfants, qui a eu le malheur de perdre son mari l'année dernière. Mmh. Et ben voilà. On va aller la revoir, on va lui amener des petits trucs, on va l'aider moralement. Moi, j'ai découvert ça à 40 ans, et 40 ans, ça m'a rendu énormément service moralement. J'ai vu la vie autrement et tout. Voilà. Et à chaque fois que vous leur ramenez les photos, ils sont contents? C'est quoi leur réaction? Ah. Bah, on a une histoire, enfin Pierre surtout, parce que c'est pas moi l'histoire. Il y a 40 ans en arrière, il est allé... J'avais été dans un village de pêcheurs, et j'étais venu juste avec un paquet de café, et j'aurais demandé simplement de l'eau et qu'on fasse le café. On a sympathisé, j'ai fait plein de photos. Entre deux, malheureusement, ils ont eu la guerre. Ils ont eu la guerre qui a duré quand même pas mal de temps en Casamance. J'étais jamais retourné et j'ai emmené Patricia il y a trois ans. Et je suis revenu avec ces photos-là. Et c'était réellement une émotion très forte parce que malheureusement, il y en avait qui étaient morts. Dans le village, il y a eu 135 morts. Et tout le village et tout partout, on a pu retrouver des gens. Alors les gens, ils ont revu leurs tantes, leurs oncles, certains parents qui étaient morts sur mes photos. Et donc j'ai laissé ces photos. Et notamment un qu'on a retrouvé qui était sur les photos, avec qui on avait passé l'après-midi. Après, avec le thé, il était vraiment content. Il ne revenait pas qu'on puisse lui rapporter les photos. Enfin, surtout oui, Tantôt après. Ouais. Quoi. À chaque fois, les photos, c'est un symbole. Ah bah oui, non, ça c'est quelque chose. Les photos, moi je sais que depuis le début, j'aurais dit je prends photo, je vous ramène les photos. Puis pour eux, c'est énorme. Donc la prochaine fois, on vous met dans nos valises, vous venez avec nous. Pas de problème. Vous aurez les photos en direct. Vous viendrez avec le vélo. Je vous dirai à TLM de vous arriver au Sénégal. Voilà, c'est la fin de Complètement Berge. Bon, au final, ce magnifique parapluie ne nous aura pas servi à grand-chose. Allez, juste pour le fun. On se retrouve le mois prochain, toujours sur les berges. Salut. Coucou. Salut.